Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu oh, même si moi je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus, je me chapitre 101, nous lisons la parole de Dieu. Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite, quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu voudras. Tout mon cœur est à toi.
Savoir que tu es vraiment le Très-Haut, comme les Saintes Écritures le déclarent, mon Sauveur, tu domines sur toutes choses. Oh, tu règnes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et ta parole nous fait savoir que lorsque toi tu dis, la chose arrive, et quand tu ordonnes, elle doit exister, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, à ton autorité. Et encore, ce matin, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous sommes rassemblés en ces lieux reconnaissant réellement ta Seigneurie, Père Dieu. Oh Dieu, ton bras puissant, ta puissance et ton autorité sur ton Église, mon bien-aimé Père. Nous acceptons d'être à toi, sous ta domination, Père. Être conduit uniquement par toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Être éclairé simplement et uniquement par toi. Parce que par ta lumière, certainement, nous voyons et nous avons la lumière, Père. Sois donc exalté encore en cette matinée, Seigneur, en ces jours pour ce peuple que tu as rassemblé en ces lieux, bien-aimé Père Saint-Dieu, et tous ceux qui sont en connexion, mon bien-aimé Père Saint, dans chaque endroit, dans chaque lieu où ils peuvent se trouver. Seigneur, que ta bénédiction leur soit accordée par. Ils sont vraiment déterminés à pouvoir marcher avec toi, d'être éclairé par toi, d'être conduit par toi et soutenu encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons ce désir, mon bien-aimé Père Tissant, voir continuer véritablement la marche aussi avec toi. Merci pour ton peuple qui est ici, bien-aimé Père Saint-Dieu, qui est aussi de loin comme de près aussi, Père Saint-Dieu, de tout ce qui est aussi ramené, rassemblé encore en cet endroit. Seigneur, merci pour le cœur que tu as disposé. Merci pour l'amour que tu as placé dans notre cœur, pour ta parole à toi, pour toi-même, bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, pour te louer avec des chants et des cantiques comme nous l'avons chanté, Père Saint-Dieu. Merci encore pour les psaumes qui nous ont été lus encore ce matin, Seigneur. Merci pour les enfants qui t'ont chanté, la chorale qui a chanté, bien-aimé Père Tissant. Chaque frère, chaque sœur qui est passé ici devant mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'il soit aussi béni, mon roi. Nous te disons merci pour les années que tu donnes encore nos enfants, Père oh Dieu. Louange et honneur à toi pour tes bienfaits, Seigneur. Tu es réellement celui qui nous garde et nous protège. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni et aussi exalté. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous sommes dans la joie de vous avoir tous. Et vous pouvez vous asseoir. Nous ne cessons de pouvoir répéter ce que David a eu à pouvoir aussi prononcer par sa bouche, effectivement, que nous prenons cela aussi pour nous, que nous sommes vraiment dans la joie quand on nous dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Mon frère Jonas, tu peux venir ici, s'il te plaît.
Nous sommes dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel, et comme la Bible le dit aussi, un jour dans tes parvis, donc vaut mieux que mille ailleurs. Nous nous réjouissons de cette grâce divine. Trouve un ventilateur, mais encore, parce que tout le monde qui se vante, il faut que les gens aient plus de lumière. Fais ce que tu peux faire pour que les vannes s'arrêtent. Merci. Donc nous, nous réjouissons encore pendant ce temps, parce que nous avons encore ce souffle de vie que Dieu nous donne. Nous voulons remercier notre Seigneur, et pendant ces instants où nous nous trouvons, il nous accorde effectivement aussi cette grâce extraordinaire de nous tenir dans sa présence. Parce qu'il a dit lui-même que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est vraiment au milieu d'eux. Nous devons croire, parce que nous marchons toujours par la foi et non par la vue, que notre Seigneur est au milieu de nous. Et nous savons qu'effectivement, que s'il est au milieu de nous, c'est sûr et certain qu'il nous fera beaucoup de bien. Sa présence, effectivement, aussi nous accorde la joie, aussi l'allégresse dans notre cœur. Et par cela aussi, nous croyons qu'effectivement aussi qu'il nous bénira, il nous soutiendra, il ouvrira encore les portes qui sont fermées pour que réellement nous puissions posséder aussi la porte de nos ennemis. Nous sommes venus pour pouvoir réellement aussi lui témoigner beaucoup d'amour, aussi beaucoup de reconnaissance pour tout le bien fait qui ne cesse de pouvoir réellement aussi accomplir pour tout un chacun de nous. Nous ne sommes pas venus simplement pour pouvoir nous asseoir et écouter, mais nous sommes aussi venus pour pouvoir aussi mettre en pratique ce que le Seigneur, notre Dieu, effectivement, nous donne. Parce que chaque fois qu'il nous parle, c'est toujours pour notre bien. Je remercie le Seigneur, notre Dieu, pour son amour à notre endroit. Nous avons failli perdre notre précieux frère Zachée. Oui, c'est vrai, parce que j'étais là, parce que m'a appelé, je l'ai vu. Aujourd'hui, nous aurions été dans les larmes et dans les deuils aussi, effectivement. Il faut que nous puissions être reconnaissants à Dieu. Frère Zachée est un précieux frère. Il a toujours été correct, c'est un frère toujours fidèle. Oui, nous sommes des hommes, on peut avoir des manquements, mais ce frère, il est précieux. Et Dieu a veillé sur son fils et son serviteur. Oui, mon frère et ma soeur, je crois que nous tous qui les connaissons, nous pouvons dire merci au Seigneur. Oui. Aujourd'hui, il va vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et le Seigneur a accordé la grâce qu'il puisse maintenant vraiment récupérer et de pouvoir maintenant bien reconnaître chaque personne et d'avoir maintenant aussi la possibilité de voir se souvenir même des choses qui étaient, parce qu'il n'était plus là, le frère. Et Dieu a eu pitié de nous et nous le remercions de tout notre cœur. Ton micro ici, il est très bas. Si tu peux monter un peu pour ne pas que je fasse trop d'efforts, merci beaucoup. Dieu a eu donc pitié de nous, effectivement, pour que nous ne puissions pas être ce matin dans la tristesse, mais que nous puissions avoir aussi l'occasion de pouvoir aussi le remercier. Comme Ézéchias pouvait dire que le vivant, ce sont là ceux qui te louent, effectivement, parce que le séjour de mort ne peut pas te louer. Et ces jours de moi, pas de se souvenir de ta bonté à toi. Et c'est nous qui sommes vivants qui pourrons nous souvenir de cela. Oui, notre frère a vraiment besoin de nos prières. Que le Seigneur puisse le fortifier davantage. Qu'on le voit encore fort dans sa maison, comme il a toujours été en fait. Nous allons prier. Tendre Père précieux, sauvant, c'est vraiment une grâce et un privilège de pouvoir t'avoir, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous avons vu combien Satan s'est déchaîné par il a fait tout pour pouvoir emporter notre frère. Mais toi, tu as pourvu, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à ce que réellement que tu conduis, c'est pas à l'extérieur, pour qu'il aille jusqu'à cet endroit-là, Père Saint-Dieu, pour qu'on remarque effectivement ce qui se passe et qu'il soit aussi ramené à la maison pour qu'il soit protégé. Père, tu es vraiment notre Dieu. Tu es vraiment le gardien de nos âmes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu connais l'amour que nous avons pour notre précieux frère Zachée, Seigneur. Nous te prions de pouvoir le bénir et le fortifier, Père Saint-Dieu. Le diable et les démons ont été vaincus, Père,
Oh Dieu, tu as manifesté ta bonté, mon bien-aimé Père Tibissant, à notre endroit. Merci aussi à l'endroit, Père Tibissant, oh Dieu, de notre sœur Tryphonie, de ses enfants, bien-aimé Père Saint, oh Dieu, de la famille qui est aussi la nôtre, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, qu'il soit fortifié là où il est, bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu, qu'il comprenne effectivement, qu'il sache que nous l'aimons, Père Saint, oh Dieu. Qu'il soit aussi encouragé, bien-aimé Père Saint, oh Dieu, car nous voulons le voir dans ta maison, Seigneur, à son poste de devoir, mon bien-aimé Père Saint. Merci vraiment, Père Dieu, pour cette grâce, cet amour béni que tu nous as témoigné en le relevant, Père Saint-Dieu, parce que c'est toi qui l'as relevé, c'est toi qui l'as rétabli, bien-aimé Père Tibissant. Tu es vraiment Jésus le même hier, aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Nous te disons merci pour cela. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié. Au nom, merci Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, qu'il soit béni notre Dieu. Il est toujours fidèle. Il veille et il agit de telle sorte qu'effectivement, c'est extraordinaire comment est-ce que le Seigneur a eu à pouvoir agir à son endroit. Il était seul à la maison et sans personne, en fait. Et si ce qui lui est arrivé, ce serait arrivé à la maison quand il était seul, alors aujourd'hui, effectivement, ce serait en fait de là. Mais il a permis qu'il sorte pour qu'il aille à un endroit, c'est là qu'on a remarqué qu'il n'était pas bien, puis on l'a ramené à la maison, alors c'est là qu'il est là, que tout était fait, effectivement. Alors je trouvais mon frère qui ne répondait pas, mais c'est quand même extraordinaire de voir l'amour de Dieu. Il est fidèle. Cela est passé, maintenant nous l'avons, nous pouvons continuer à servir le Seigneur. C'est pour ça que tout un chacun de nous, frères et sœurs, ne vous fricotez pas avec le monde. Pensez à cela, c'est important. Vous pouvez ne pas savoir, ma soeur et mon frère. Allez peut-être à la toilette, dans la rue, pendant que vous êtes enfermé là-bas, et ça peut vous prendre à tout instant. Mais si Dieu n'est pas la personne que vous mettez en premier, comprenez cela, c'est toujours pour votre bien, mon frère et ma soeur. C'est Dieu veillera sur ton âme. Il fera en sorte que tu puisses être sorti de l'endroit, parce qu'il est toujours ce même Dieu. Et c'est vrai, mon frère et ma soeur, nous avons à pouvoir l'aimer, lui être reconnaissant pour tout et surtout pour la grâce qu'il nous a accordée d'avoir le salut, de le connaître effectivement dans ce monde qui s'en va en perdition, mon frère et ma soeur. Et dans ce monde ici, dans ce temps, le Seigneur t'ouvre les yeux. Alors ne te prends pas plus important que quoi que ce soit. Humilie-toi, abandonne le monde parce que le monde ne peut rien t'apporter. L'orgueil de ta chair, l'orgueil de ceci, qu'on te voit, qu'on t'a... ce n'est pas nécessaire. N'oubliez pas cela, mon frère et ma soeur. Quand tu seras dans le cercueil, personne ne t'appréciera. C'est pour ça, faisons ce qui est nécessaire pour que nous puissions arriver à pouvoir trouver grâce à ses yeux, afin que sur cette terre, nous vivions comme des fils et des filles de Dieu qui sont présentables, effectivement, parce que Dieu doit réellement manifester. Nous l'avons entendu avec vous. La création tout entière. Et l'attend et soupire, en fait. Vous comprenez ce que ça veut dire que soupirer. Soupire après la manifestation, donc la révélation, la démonstration. Vous comprenez rien, frère et sœur, de fils et filles de Dieu. Ce que vous méprisez comme nature que Dieu vous donne là, que Dieu veut vous donner effectivement, c'est ce qui est la nature tout entière. Oui, vous savez, le cosmos entier attend effectivement que vous puissiez être revêtus de cela pour qu'elle aussi soit aussi libérée aussi. C'est que c'est une grâce de notre Dieu qui nous accorde effectivement et au travers de sa parole, le Seigneur nous parle, mais nous sommes toujours amis du monde. Amis de saleté, frère. On aime des choses qui sont immondes. On se plaît dans soi-même. On s'apprécie trop, beaucoup trop, en fait. Et ça, c'est le domaine de Satan. N'oubliez pas ce que vous entendez. Quand vous vous appréciez tellement trop que vous cherchez toujours à être celle qui éclaire ou celui qui donne des flashs, effectivement, qui ne passe pas inaperçu, vous êtes effectivement entre les mains des démons manipulés. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, mais Satan, les démons, vous tient dans ses mains. Remarquez d'abord pour que vous puissiez voir comment est-ce que le Seigneur, c'est important parce que quand nous sortons d'ici, je parle à vous jeunes filles, nous sortons d'ici parce que les Satan, les démons vous attendent en fait.
Il va vous dire, mais il faut que tu illumines, il faut que tu éclaires. C'est un mensonge. Ce qui veut dire qu'effectivement, aussi longtemps que tu es comme ça, Dieu ne fera jamais rien. Et surtout, que tu sois assis ou assise dans la maison du Seigneur et en entendant la parole de Dieu et que tu puisses sentir que tu sois dans son sens, alors là, mon frère et ma soeur, ta condition sera pire. Et il le sait cela. Si c'était des gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent comme ça, ils les emprisonnent, bon, ça va encore. Peut-être, bon, ces gens-là, un jour, les jours où vous me suivez, un jour où ils pourront voir la lumière, ils pourront sortir. Mais toi, ma soeur, il sait que tu es assise. Il sait que tu entends. Oui, bien sûr, il sait cela. Il sait que tu entends la parole de Dieu qui te démontre effectivement. Mais là où il y a un problème, c'est avec toi. Et alors, il te met effectivement aussi la pensée pour rejeter, en fait. Tu as toujours tendance à... Pourquoi est-ce que nous agissons le contraire? Parce qu'on dit que Dieu est menteur. C'est 100% ça. La position que nous avons quand nous agissons contraire à ce que la Bible dit, on dit que Dieu est menteur, Satan a raison. Vous n'exprimez pas de la bouche comme ça. Mais par vos actes, effectivement, que vous posez après avoir entendu la parole de Dieu, vous témoignez, effectivement, mais c'est vrai, que Dieu, tu as menti. Et Satan a raison. C'est pourquoi vous penchez du côté de l'ennemi, en fait. C'est pour ça que vous donnez trop, effectivement, à la chienne. Parce que si c'était vrai que vous disiez que Dieu a raison, votre façon de parler changerait. Votre même façon de pouvoir penser changerait. Vous donnerez toujours raison à la parole de Dieu parce que vous l'avez goûté, dit, mais ceci est vraiment la vérité. Mon frère et ma soeur, Satan et son armée ne pourraient jamais vous faire vaciller effectivement votre position parce que vous savez que Dieu a toujours raison. Mais quand tu dis que Dieu n'a pas raison, c'est comme cela que tu deviens un peu comme ça, vacillant à gauche et à droite effectivement. Ta position n'est pas ferme. Mais si ta position, parce que toi, mon frère, toi, ma soeur, étant ainsi ici, même ceux qui sont à l'écoute, personne n'est ignorant qu'il y a bien le ciel et aussi l'enfer. Personne ici ne peut me dire que non, ça n'existe pas. Non, la Bible dit que Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Et toi, tu le sais. Alors, comme nous l'avons entendu aussi, quand même, entendu, mais Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un, effectivement, en enfer. C'est toi qui forces, effectivement, qui te forge le chemin vers l'enfer. Parce que personne ne peut dire que Dieu est mauvais. Dieu est toujours juste. C'est dans la justice de Dieu, effectivement, que nous devons nous confier, pas dans notre justice ou dans notre façon à nous de pouvoir avoir. Alors, dans le livre de Ésaïe, chapitre 61, vous vous levez pour lire cela, et Seigneur vous bénisse. Ésaïe, chapitre 61, nous lirons à partir du verset 1. Je pense que c'est cela. Juste dans votre Bible, Ésaïe 61, c'est cela, merci Seigneur. L'Esprit du Seigneur, verset 1, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers donc la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel, notre Seigneur. Amen. Et dans le livre de Luc, au chapitre 4, effectivement aussi, nous pouvons le lire, nous le lirons tout à l'heure, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous te disons merci pour ton amour et ta bonté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de la grâce que nous pouvons nous tenir encore dans un lieu où toi, tu nous permets que nous puissions y être, Père Saint-Dieu. Nous te remercions, Père Dieu. Nous ne savons pas encore combien de temps nous pouvons avoir ces occasions, Père Saint-Dieu, que nous ne voulons pas prendre à la légère,
parce qu'un jour viendra, Père Saint-Dieu, où on ne permettra plus, Père Tubissant, à ce que les gens se réunissent pour cela. Nous avons goûté cela en voyant, Père Saint-Dieu, ce qui s'est passé pendant le Covid. On a eu à pouvoir fermer, on a eu à pouvoir ne pas permettre aux gens de pouvoir ni prier, ni chanter, ni glorifier ton nom, Père Saint-Dieu. Et tout était fermé partout, mon Sauveur. Aujourd'hui encore, nous te prions encore de pouvoir nous aider davantage afin que nous puissions demeurer et conscients de ce que, Père Saint-Dieu, tu nous as fait comprendre et aussi la grâce de pouvoir savoir, au Dieu de nos révélations, tu donnes pouvoir, effectivement, aussi les choses qui vont venir, Père. Tu nous as ouvert les oreilles et les yeux aussi pour que nous puissions voir et comprendre, Père, si, et le cœur pour croire. Sois béni et sois glorifié. Bénis cette parole que tu nous as donnée, Père Saint-Dieu. Aide-moi aussi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas d'interprétation. Je ne veux rien dire qui soit contraire à ta parole à toi, mon bien-aimé, Père. Conduis mon cœur, mes lèvres, Père Tubissant, ma conscience et mon subconscient. Je demande cette grâce, mon Père. Seule ta parole pour pouvoir nous aider à avancer. Grâce à ainsi prier, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous trouvons toujours plaisir dans la parole de Dieu. Et comme je ne sais plus à qui j'ai eu à pouvoir faire référence à cela, mais je pense que c'était mon frère Victor, parce que je crois qu'il est parti. Et il m'a envoyé un message qu'il part. Je suppose qu'il est parti. Il doit être en Allemagne, il n'est pas ici. Hein. Voilà, donc, et alors, c'est lui, je pense, je rappelais une chose qui est toujours aussi importante, ou à un autre, si je suppose, c'est cela, probablement. Enfin, j'ai eu à pouvoir rappeler comment est-ce que nous devons être, en tant que fils et fille de Dieu, peuple de Dieu, ceux qui connaissent le Seigneur, c'est... qu'effectivement, le Seigneur s'est fait aussi connaître. C'est dans le psaume, au chapitre 1, qui dit, effectivement, que nous voulons le lire encore une fois, hein, c'est le psaume au chapitre 1. Donc, oui, je parlais de cela aussi à l'INSEE tout à ce matin, je suppose que c'est cela. Je suppose, oui, c'est cela aussi. C'est cela. Le psaume au chapitre 1, je suppose, c'est cela, oui. Il dit, « Heureux donc l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Ça, c'est un conseil, mais vraiment conseil divin que Dieu nous donne à tout un chacun de nous. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est venu nous dire parfois n'a pas bien compris. Non, ici, c'est Dieu lui-même qui te parle à toi, mon frère, à toi, ma soeur, à nous tous, que nous devons comprendre qu'effectivement, quelle est la position que nous devons adopter dans ce monde où nous sommes. Pour les rencontres qu'on doit avoir effectivement, et même des rassemblements qu'on doit avoir avec des gens, de quelle manière on doit absolument, il s'agit de peuple de Dieu, se tenir en fait. Parce qu'il a dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre les fidèles et l'infidèle. Parce qu'il faut savoir effectivement avec qui vous êtes appelés à pouvoir marcher. Si vous voulez conserver votre cœur et votre âme, votre esprit aussi pur, alors il faut qu'effectivement que vous pensiez exactement avec qui et qui effectivement que vous voulez marcher avec. Autrement, vous serez toujours corrompu. Et chaque fois, parce que les propos qui sont sanguinaires sont des propos qui vont souiller ton âme. Tu n'avanceras pas avec Dieu. Parce que chaque jour, comme la Bible dit, au reste que tout ce qui est pur soit toujours l'objet de tes pensées. Alors il dit, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Ne cherche pas des compagnies ou des connaissances qui vont toujours vous mettre dans des conditions tellement difficiles, toujours rapporter dans ceci et cela. Frères et sœurs, tenez-vous loin de la langue qui fait sortir des choses qui ne sont pas conformes. La Bible dit que votre langue soit assaisonnée de sel. Que quand tu parles de quelqu'un, que la personne, quand il rentre, il commence pas à avoir des troubles dans son âme, en disant, mais pourquoi j'ai été, ça me travaille, non, mais quand la personne vous quitte, il dit, mais gloire à Dieu. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Étant le peuple de Dieu, le Seigneur nous a fait comprendre, effectivement, je crois que nous avons lu dans les Écritures, effectivement, à propos de la langue. Ma sœur, fais attention à ce que nous entendons. À propos de la langue, il faut que chacun de nous contrôle sa langue. Il faut que votre langue soit contrôlée. Avant de pouvoir parler, réfléchissez d'abord. Est-ce que ce que je veux dire,
La réunion nouvelle, j'avais dit effectivement, est-ce que ça va édifier ou ça va détruire quelqu'un? Ne pensez pas d'abord à vous-même. Parce que ce qui détruit, c'est parce que vous voulez vous vanter en parlant. Mais ce n'est pas vous qui devez avoir de la place, effectivement. C'est que c'est Dieu qui vous utilisera pour voir que l'autre qui est en face de vous puisse trouver grâce aussi, en fait, de voir réaliser que Dieu est vivant et qu'il vit dans cette personne. On glorifie trop Satan, mon frère et ma soeur. Et on dit, on aime Dieu, on chante Dieu, on loue Dieu. C'est quand même pas possible. C'est un démon, on doit le chasser. Il a de la haine à l'endroit de chacun de vous. Il ne pourra jamais vous faire du bien. Est-ce que vous m'entendez, frère et soeur? C'est important, mon frère et ma soeur. Parce que quand nous sortirons d'ici, il faut que nos langues changent. Et puis, il faut qu'on fasse attention avec qui nous marchons, avec qui nous parlons. Avec nous. C'est important parce que la langue va détruire les uns comme les autres. Et si on est un enfant de Dieu, on l'est vraiment, alors je crois que Dieu nettoie notre langue. Pour quelle raison? Parce que c'est cette langue ici que je dois bénir le Seigneur. Les démons ne peuvent pas bénir, non. C'est cette langue ici que je dois bénir. Si je bénis Dieu, alors restera la langue de la bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc, qu'aucune parole déshonnête ou parole mauvaise, effectivement. Et puis, c'est important aussi, je pense aussi que cela, j'ai lu 61, écoutez, nous allons prendre là, j'ai pensé, Philippiens, je pense, regardez très bien. Philippiens, Philippiens au chapitre 1, Voilà, c'est que vous allez trouver ça, Philippiens, quelque part. Voilà. Philippiens au chapitre 1. Ah, voilà. Philippiens, chapitre 2, c'est ça. Voilà. Et c'est le verset 1 qui nous dit. Ah. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez donc ma joie parfaite. Ayez donc un même sentiment. Frères et sœurs, cela est vraiment possible. Parce que le Seigneur nous a rendus capables, frères. Il n'y a pas un frère ou une sœur ici qui peut avoir d'excuses. Parce qu'on peut dire, les démons ont fait ceci, effectivement. Mais nous venons de lire dans Ésaïe 61. Regardez très bien, frères et sœurs, puis nous retournerons dans tout ce... Regardez très bien, Ésaïe 61. Regardez comme il est écrit ici, hein. Nous l'avons lu avec vous. Regardez, prêtez attention. Ésaïe donc 61, il nous dit... L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est Ésaïe 61. Vous connaissez, non? Et puis il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pas pour briser le cœur. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la et aux prisonniers la. Alors regardez l'écriture que nous voulons lire tout à l'heure dans Luc au chapitre 4, effectivement aussi. Regardez comment est-ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir exprimer cela, parce que nous l'avons déjà lu et vous la connaissez aussi. Luc au chapitre 4, il nous dit ici, verset 14. Jésus donc, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit donc à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire donc la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant donc déroulé, il trouva l'endroit où il était donc écrit.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous vous souvenez, non? Vous connaissez cela, hein? Nous avons lu. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous vous souvenez, non? Ésaïe 61, longtemps déjà. Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles, effectivement, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez cela? Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé donc sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors regardez très bien, phrase ça. Cela a été donc annoncé dans Ésaïe. Comme nous pouvons le retrouver, encore nous avons lu, mais je vais quand même le redire avec vous, hein, afin que nous puissions voir Ésaïe donc 61. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance et publier une année de grâce, effectivement, de l'Éternel. N'est-ce pas? C'est ça, non? Ok. Quand il a lu cela, effectivement, même écriture. Et quand il était assis, et puis bon, on le regardait, et là, il leur dit, effectivement, mais avec beaucoup d'assurance, il dit, aujourd'hui, donc, cette écriture que vous venez d'entendre, c'est ce qui est écrit, effectivement, là, hein, au verset suivant, il dit, mais aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est donc accomplie. Il n'a pas dit ceci, mon frère. Et aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre sera accomplie dans le futur, par exemple. Non, il n'a pas dit que sera accomplie. Donc, il a dit bien que cette Écriture est accomplie. Donc, ça veut dire que mon frère et ma sœur, toi qui es sous l'emprise de Satan, des démons, des mauvais esprits, de mauvaises habitudes, parce que tu es captif quelque part, est-ce que vous me suivez? Amen. Tu es captif quelque part. Donc nous sommes captifs quelque part. Alors l'Écriture ici te dit que lui-même, ces jours-là, quand il a pris le rouleau, il pouvait dire une chose que cette Écriture-ci sera accomplie. Ah, tu peux dire effectivement, oui Seigneur, j'attends ces jours-là où tu accompliras cette Écriture pour ma délivrance, pour ma liberté. Est-ce que vous me suivez, frère, c'est ça? Tu peux avoir d'excuses aujourd'hui pour dire qu'effectivement que, Seigneur, en tout cas, j'attends. J'attends cette délivrance. Tu peux avoir cette excuse, ma soeur. C'est pour ça qu'il faut que nous comprenions, mon frère et ma soeur. Tu peux dire, oui, j'attends la délivrance. J'attends, c'est là. J'attends, je ne la vois pas, j'attends. Mais le Seigneur a dit, aujourd'hui, pas demain. Non, comprenez l'écriture. Alléluia. Mon frère et ma soeur, il a dit aujourd'hui, pas demain. Il dit cette écriture, ce n'est pas l'écriture que vous avez entendue. Elle est donc accomplie. Ça veut dire, ma soeur, que tu es déjà libre. Tu ne peux pas me donner des raisons que je vis une vie de cochon parce que je n'en peux pas. Je ne suis pas capable. Si tu ne connaissais pas l'Écriture, tu n'étais pas le Seigneur, je te croirais. Mais aujourd'hui, toi frère, toi soeur, dans cette condition-là, non pas si tu collabores avec des démons. C'est la vérité, monsieur. Parce que ce n'est pas pour rien que Christ a parlé et qu'il est mort à la croix de Golgotha. Il a mis les cachets à ses paroles. Il n'a pas dit, tu seras, non, il a dit, aujourd'hui. Alors, sœur, mon frère, tu as la délivrance, tu as la capacité. Pas demain, mais il a dit aujourd'hui.
Alors mon frère et ma soeur, ta langue à toi, elle peut être changée. Oui, tu ne peux pas vivre comme le monde te demande, non. Alléluia. Autrement, tu n'es pas un fils de Dieu, frère. Tu n'as pas d'excuses, frère, soeur, enfant, jeune fille, jeune soeur, pas d'excuses. Oui, frère. On doit respecter Dieu. On ne peut pas jouer avec l'évangile. Ou soit on croit, ou on ne croit pas, frère. Il doit y avoir une différence qui doit être vue. On ne peut pas continuer tout le temps dans les trains-trains. Ah, frère, ah, frère. Non, mon frère. Combien d'années? C'est pas normal. Toujours tourner en même chose, effectivement. C'est comme si Dieu n'avait rien fait. Frère, nous qui devions être des maîtres. Donc, les gens qui sont dans la religion peuvent nous voir et dire, en tout cas, c'est lui-là, c'est pour ces hommes-là, ces femmes-là. C'est pas comme les autres. Mais c'est vous qui, quand on regarde, et puis papa, c'est pas possible, frère. Vous insultez Dieu. Vous mettez l'opprobre sur le nom du Seigneur. Et vous dites, alléluia, gloire à Dieu, nous t'aimons, Dieu est là. Dieu n'est pas là. Non, frère, parce que votre conduite témoigne que vous ne l'avez pas. C'est sûr et certain. Qu'allez-vous dire? Regardez-vous. Ça n'a jamais été la faute de Dieu. Il nous a tout donné. Oui. Regardez comment l'Écriture demande. Frère, ma soeur, respectons ces Jésus. Si vous ne l'aimez pas, frère, allez trouver notre emploi. Je ne sais rien. Allez faire votre business. Mais ne venez pas te dire que nous sommes chrétiens, puis vous vivez comme des cochons, comme des chiens. Vous parlez toujours du mal, des uns comme des autres. Et vous prenez pas. Ok, Dieu me pardonne. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça brise le cœur. C'est pas possible. Votre langage devait être changé. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, pas des chiens et des chiennes. Non. Mais vous êtes honorable, frère. Mais vous vous tournez dans les bourbiers pour une gloire ignoble d'un homme. Qu'est-ce que la gloire que l'Éternel va dire? Ah, il est merveilleux. Qu'est-ce qu'il va te donner cet homme-là? Vous cherchez qu'on puisse vous glorifier. Qu'allez-vous faire avec? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Mais il faut être quelqu'un qui ne réfléchit pas. Vous savez, regardez tous les rois de la terre. Ils finissent où? C'est... Même s'ils avaient construit des châteaux, les colisées sur des carrosses et tout ça, la reine d'Angleterre, l'on leur disait, ah, la queen, elle ne veut pas toucher les mains des gens, parce qu'elle a les gants, et ceci, elle parle quand vous allez, quand vous tenez, il faut toujours dire, tenez comme ça. Maintenant, il est où? Quand ils disent, la grande queen, je l'ai regardé, la grande queen, quand elle marchait, la queen, on ne touche pas la queen, elle est où? Qui va maintenant l'honorer là-bas? Elle est avec des démons! Regardez, ne fût-ce que ça, ça va vous instruire. Ça vous amènerait quoi que les gens, vous voulez qu'on dise, il est grand. Mais vous ne valez rien, on ne voit rien du tout. Parce qu'à la fin, tout le monde voit que mais c'est poussière sur poussière. Oh, il faut prendre l'été comme ça, quand devant la ruine, et voir comme ça. Mon frère, maintenant, je peux boire n'importe comment. Est-ce que vous comprenez, frère? Ma soeur, est-ce que vous comprenez? Il faut que la vie change. Le comportement change. Le regard qu'on a, on doit être un peuple différent. Nos réunions doivent nous aider à pouvoir changer. On ne vient pas jouer la comédie ici. On vient pour un changement véritable, mon frère. Que Dieu soit honoré. Que Dieu soit glorifié dans ma vie, mon frère. Oh, je ne regarde pas quelqu'un, mais je veux voir Jésus. Les jours où je partirai, je ne regarde personne. Tu dois savoir ça, mon frère. Colossiens chapitre 2. Voilà, Colossiens au chapitre 2. Voilà.
ici. Ah, que Dieu soit béni. Alors, il nous dit ici, verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit, vous avez tout pleinement, donc nous avons tout. Quand on dit tout, mon frère, en lui, on a tout. La bonne santé, le bien-être, la guérison, la liberté en Christ. Oui, père, frère, ça. Donc, en Jésus, tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, en lui, nous avons tout et pleinement. D'ailleurs, il nous l'a dit, frères et sœurs, lui-même, quand il était debout, effectivement, pour que nous puissions comprendre, effectivement, que quand l'Écriture le dit, c'est la vérité. Matthieu, chapitre 6, il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses-là, manger, vêtements, ceci et cela, vous serez donné par-dessus. Pardon, par-dessus, nous avons encore beaucoup plus que cela. Mais d'abord, ma soeur, d'abord mon frère, pas la richesse d'argent, je ne dors pas, problème d'argent. C'est ça qui nous tue aussi, frère et soeur. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout mal. Il n'est pas demandé à un véritable fils de Dieu, fille de Dieu, d'aimer l'argent, de le chercher comme c'était quelque chose de précieux. Non! Les mondains, oui, mais pas toi! Travaille comme tu peux, mais pas chercher l'argent. Tu vas en faire quoi? Parce que tu vas partir. Ce sont ceux qui sont sans espérance, sans foi, sans Dieu, qui pensent que leur Dieu, l'argent, va les protéger. C'est ça ce que vous voyez. C'est pas comme ça que Dieu nous a instruits. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'il nous a insulté? Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est là qu'on voit si vous le croyez ou pas. Frères et sœurs, je vous l'ai toujours dit ici à cet endroit. Aller dans l'enlèvement, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut un sacrifice. Pour sacrifier, il faut croire. Reconnaître qu'effectivement, que je suis sûr que celui-là qui m'a dit de me sacrifier, c'est pour mon bien. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est lui-là qui me dit de faire ça comme ça, c'est pour mon bien. Même si je ne comprends pas encore très bien. Mais il a toujours raison. Regardez l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Cet homme-là n'a pas hésité. J'aime cet homme, c'est vrai. Il n'a pas hésité. Vous lui avez donné ce qui lui a été donné. C'est sa vie parce que votre unique enfant, c'est le vôtre. Mais bien sûr que oui. C'est tout ce que vous avez là-dedans. Et Dieu dit, mais l'enfant que tu aimes tant là, viens me l'offrir en holocauste. Oui, ça veut dire que tu lui coupes la gorge, tu le brûles. Qui de vous peut faire ça? C'est vrai, qui de vous peut le faire? Déjà, quand on reprend ton enfant qui marche mal, qui fait mal, tu commences à murmurer contre les passeurs. Oh, il n'aime pas les miens. Oh, ceci et cela. Mon frère et ma soeur, comment peut-on ne pas aimer les tiens? Il vous faut une délivrance totale, frère. Vous êtes pollué dans l'esprit, c'est vrai. Je ne sais pas qui vous enseigne, après j'ai enseigné. Ce n'est pas possible. Qu'on puisse vous détester avec vos enfants, ce n'est pas possible. Alors, on ne peut pas prêcher la parole. De quelle catégorie êtes-vous alors? C'est un problème. Abraham n'a pas commencé à gesticuler ou chercher à défendre son Isaac. Non. Il dit, Dieu qui demande, Dieu a raison. Il sait ce qu'il fait. Parce que moi ici, c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous avez une grâce que Dieu vous a rendue fertile. Remerciez Dieu. Pour ces enfants qu'il vous a donnés. Parce qu'il y en a de ceux-là qui sont stériles. Donc quand tu n'en dis pas, ah Seigneur, c'est une grâce que tu m'as donnée. Parce que si tu es un chrétien, tu comprends.
Là, quand on doit l'éduquer, il dit pas, ah, on a fait un bien. Non, il était un enfant de ce Dieu qui me l'a donné, comme la maman, comme maman, comme le Québec. Il prend son enfant, il dit, mais Seigneur, cet enfant, il est à toi. Éduque-le. Bien sûr, vous ne comprenez rien. Il faut une délivrance, mon frère. Yokebed a dit, mais éduque-le, fais des limites, je ne pas le garder. Et quand elle a fait ça, Dieu a appris Moïse, il a éduqué Moïse. Et vous venez me dire que vous êtes des frères et des sœurs. C'est douloureux, ça. Parce que savez-vous qu'effectivement, que quand bien même vous êtes chez vous à la maison, quand vous murmurez, vous parlez à gauche et à droite, frère et sœur, le Dieu que je sers me fait toujours savoir. Oui, frère, je ne peux pas marcher avec des gens que je ne connais pas. Bien sûr, mais oui, je suis un homme, mais Dieu m'a donné quelque chose de particulier, frère et sœur. Oui, je l'ai dit encore. C'est vrai, frère. Je ne vous dis rien, je vous observe, mais je sais par la grâce de ce qu'il y a. Oui. Mais vous avez l'impression que je ne vois pas, hein, je suis toujours bien. Mais quand Dieu prend le temps, c'est important de faire très attention. Parce qu'après cela, je ne voudrais pas être à votre place. C'est important, frère. Nécessaire. Alors, on peut dire effectivement aussi que le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui veille sur le nôtre. Il a parlé à Abraham. Il lui a demandé ce qui lui était vraiment dit. Auquel il a attendu, parce que vous connaissez l'écriture, nous en avons parlé. Il lui dit, viens m'offrir cet enfant-là. Ce qui est merveilleux avec cet homme, pourquoi Dieu l'a aimé aussi, c'est qu'il n'a jamais murmuré, ni dans son fort intérieur pour dire, ah, est-ce que vraiment c'est Dieu qui me demande? Il savait! Parce qu'il avait entendu cette voix-là le jour où il appelait, qui ton père et ta mère? Il connaissait l'autorité, la puissance de la parole. Oui, bien sûr. Il savait très bien que c'était lui qui lui parlait. Tu n'es pas ignorant parce qu'on t'élise là dans les saintes écritures. Je ne fabrique rien. Il faut te poser la question, suis-je un enfant de Satan ou un enfant de Dieu? Jésus dit, mais pourquoi ne comprends-tu pas mon langage? Pose-toi la question. Chaque fois qu'on pose la parole de Dieu, tu murmures. Trouve des raisons pour aller trouver telle. Est-ce que tu penses pour que tu donnes la raison? Mais mon frère, même si l'homme donne la raison, l'enfer t'attend. Parce que tu ne fais pas ce que la Bible dit, te dit, tu iras quand même en enfer. Tu peux avoir des copains, des amis, des prédicateurs en grand nombre. Mais l'enfer t'attend. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'il veille sur la parole qui sort de la bouche d'un homme. Hein. Tu peux en avoir partout. Vous connaissez comme l'écriture. Ils détournent l'oreille de la vérité, ils font tourner une foule de docteurs. Parce que quand la parole ne vous plaît pas, vous allez voir son golo pakala, c'est ci, c'est là, pour lui demander, est-ce que tu vois ce qu'il a dit là? Est-ce que c'est vraiment pour qu'il faut être dans ta position, dans ta marche? Mais tu te tues toi-même. C'est sûr que oui. Le temps est tellement court, aussi proche. Arrêtez de jouer avec votre vie. Mm-hmm. Si ça ne vous intéresse pas de marcher avec le Seigneur, trouvez une autre voie. C'est important. Nous voulons avoir des frères et des sœurs. Je vais continuer avec Abraham. Et des sœurs, des frères et des sœurs, qui quand ils entendent la parole de Dieu, tous ensemble, comme on dit d'un commun accord, on se met à genoux. Alors la puissance de Dieu manifeste sa présence. Pas qu'on dit, on a senti et puis on sort. C'est comme si c'était sur les ailes d'un canard. Ah, le Seigneur était là, puissant maman. Et on sort, on est toujours pareil. Ça, ce n'est pas ça. Lorsqu'ils se retrouvèrent avec les leurs, ils ont reçu la même parole. Quand il pria, les trembla. Quand ils sont sortis, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient plus la même chose. Donc toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, oui le Seigneur, ah il voit maintenant, le Seigneur a fait, tu sors, tu es pareil, il y a un problème. Oui. Je vais vous rappeler encore une chose. Vous pouvez vivre comme vous voulez, faire ce que vous voulez, Dieu ne va pas manquer d'adorateurs. Si vous vous sentez, vous, que je suis important, sans moi, rien ne pourra se faire. On n'a pas besoin de toi. Amen, amen. Nous avons besoin de ceux qui aiment le Seigneur. De ceux qui se considèrent comme étant, c'est une grâce, une faveur. Seigneur, je ne suis rien, mais aide-moi. C'est de ceux-là dont nous avons tous besoin, parce que nous sommes dans la même condition. Bien sûr que oui.
Qu'est-ce que je n'ai pas vu des gens qui sont tellement rieux, qui croquent, ils connaissent bien dans les Écritures. Je les observe effectivement. Mais ils vont finir par quoi? Et vous pensez vraiment que le Seigneur va prendre ces gens-là, mais vous dites, ah, j'aime Jésus, il ne l'aime pas. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu devrais aimer les frères. Le signe que toi tu aimes vraiment Dieu et que vraiment tu l'adores, il est à toi, il t'appartient effectivement, c'est quand tu vois un frère, tu vois une soeur, tu l'aimes autant. Parce que la Bible dit, mais comment peux-tu dire que j'aime Dieu que tu ne vois pas? Alors que ton frère que tu vois ici, tu ne sais pas, il ne serait pas possible. C'est pas possible, mon frère, non! Ne te trompe pas, les démons sont en train de voir vous tromper. C'est son travail. Il n'a que le mensonge en lui. C'est comme cela. Il va te faire croire ce que lui veut que tu croies. Le mensonge. Bien sûr. C'est pour ça que le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité vous franchira. Et si le Fils vous a franchi, vous êtes vraiment libre. Donc si lui t'a franchi, tu es vraiment libre. Et puis, regardez très bien, si tu mènes une vie par ignorance, sans comprendre, effectivement, tu fais encore des choses qui ne sont pas conformes, que quand tu viens, la parole sort, tu dis Seigneur, pardon. Tu ne peux pas commencer à pouvoir gonfler. Oh, on parle de moi parce qu'on a vu ma jupe. Hein. On a vu qu'est-ce qu'on a à faire avec ta jupe. Tu peux même venir avec des jupes qui sont ici, là, là, là. Ce sont tes jambes à toi. Tu peux même venir. Mais c'est vrai. Sœur, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes libre, non? Vous pouvez même aller là. Vous pouvez aller partout. Même marcher tout nu, c'est votre droit. C'est votre corps. Mais dans la maison de Dieu. Ça, c'est la maison de Dieu. On doit être correct. Oui, si tu estimes que Dieu pour toi ne vaut rien et que l'extérieur avec la garde, non, c'est bon pour toi, eh bien vas-y. Personne ne va pouvoir te suivre derrière. C'est ton corps. Personne, c'est le tien, tu vas en faire ce que tu veux. Mais Dieu cherche son corps. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu ne cherche pas ton corps. Il est le tien, tu vas faire ce que tu veux. Le Dieu cherche son corps. C'est important que nous comprenions pour ne pas toujours être là et puis aller voir un frère. Et c'est comme si on me visait qui? Pourquoi? Tu devais montrer ce que tu as, c'est à toi. Tu en fais ce que tu veux. Mais Dieu a en avoir avec son corps. Est-ce que vous me comprenez encore? Je répète encore. Il a en avoir avec son corps. Il ne veut pas que son corps à lui soit à l'extérieur. Il veut que son corps à lui soit saint. Le tien, tu en fais ce que tu veux. Il faut que nous apprenions qui est Dieu, mon frère. On dit sainteté à l'Éternel. Il ne t'oblige pas. C'est toi qui dois comprendre qu'effectivement, que si je l'aime, que je suis à lui, comme je disais tout à l'heure, effectivement, en rapport avec l'amour. Donc, si tu aimes Dieu, au fond de toi, tu l'aimes vraiment. Mon frère et ma soeur, il est impossible. Je le répète encore ici, il est impossible que tu aies de la haine pour un frère ou pour une soeur. Quel est le plus grand de tous les commandements? Écoutez bien, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, d'abord. De tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée, tout ton être, tout ce que tu es, mon frère et ma soeur, ton sang, ton corps, tout. Et puis il dit, mais voici le qu'on a qui lui est semblable. Tu aimeras qui c'est? Voilà. Donc de l'amour de Dieu découle. Quand tu vois un frère qui ne t'aime pas, c'est que quelque part il n'est pas encore arrivé. Quand tu vois une soeur qui dit, ah non, 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 je n'ai pas, c'est que quelque part il n'est pas encore arrivé. Même s'il peut dire, j'aime Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Parce que quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ce que Dieu fait. Pas ces deux personnes, c'est la création des dieux. Nous, frères et sœurs, que Dieu nous aide pour que nous ne soyons pas pires.
mais que nous devenons meilleurs. Nous n'avons pas à lutter contre des frères et des sœurs. N'oubliez pas les combats, c'est là qu'on fait, qu'on échoue. N'oubliez pas les combats. Mon frère n'est pas mon adversaire, peu importe ce qu'il me déteste, ce qu'il pense qu'il est pour après, je ne m'en occupe pas. Ce n'est pas lui mon adversaire. J'ai un adversaire, ce sont les démons, les esprits méchants, Satan lui-même. Le peuple de Dieu ne doit pas faire des erreurs. Parce que si tu considères cet homme-là comme ton ennemi, parce qu'il te déteste, tu tombes dans les pièges. Satan, il est malin. Oui, il est malin. Je ne veux pas le sentir parce qu'il a fait ceci. Mais c'est parce qu'il a fait cela que tu dois démontrer que Dieu est en toi. Il fait lever son soleil, ton père à toi, dont tu as la nature, les caractéristiques, aussi bien sur le bon que sur le méchant. Alors, quelle excuse alors tu peux voir? Parce que tu dis, j'ai l'esprit du Seigneur, j'ai la nature du Seigneur. Mais si tu l'as, tu aimerais les gens. Pas les péchés, mais les gens. On va dire, ah, comme ils sont aussi, on va faire aussi la marche pour pouvoir. Non, monsieur. Il faut une différence. Oh, mais parce qu'on nous a prêché, il faut aimer tout le monde. Donc, on prend aussi les drapeaux, comment on appelle ça, j'en sais rien. Et nous aussi, on marche, on doit le comprendre. Mais non. Il n'y a pas d'amalgame dans les choses de Dieu. Ah oui, oui, c'est ça. Alors, lisons. Et nous avons dit, Abraham, effectivement, c'est comme ça qu'Abraham est monté pour pouvoir honorer Dieu, démontrant qu'effectivement qu'il aimait Dieu et qu'il avait vraiment confiance en ses dieux, que tout ce que Dieu pouvait dire et demander, est-ce que vous me suivez, était vrai et bon pour lui. C'est pour ça que son fils lui dit, Père, il dit, mon fils. Il dit, papa, voici le couteau, voici donc le feu, et tu as même des liens. Alors, où est donc l'agneau pour les sacrifices? Ce n'est pas écrit pour des gens qui sont de surnom, c'est écrit pour nous. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Pour ne pas te battre à partir, je suis. Regarde un peu là, ces tableaux-là d'Abraham. Par rapport à toi, avec ce que tu ressens, pour tout ce qui est à toi. Est-ce que tu peux arriver à pouvoir être comme Abraham? C'est là que tu peux dire, Seigneur, tu as fait de moi quelqu'un. Vous me comprenez? Le fils lui dit, Père. C'est le papa qui dit. J'ai toujours aimé ce tableau-là, effectivement, je l'en ai là-bas. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas vacillé en disant, ah, Seigneur mon Dieu, maintenant mon fils, il me respecte. Parce que souvent, ça, on a toujours tendance à pencher vers nos enfants qui font mal, qui vivent même dans l'église. Oui, vous vous permettez avec vos enfants, c'est permettre de pouvoir faire n'importe quoi à certains moments. Je donne un exemple. Mais quand on le reprend, quand on lui dit quelque chose, ah, on a pris les miens, on a parlé les miens, on les met des tests, on a frappé aux miens, ah, parce que c'est les miens, effectivement. Mais quand tu dis que c'est les tiens, quand tu dis que les autres là, ce ne sont pas tes frères et sœurs. Le langage change, hein. Nous sommes tous frères, nous sommes mes frères, en Christ, mais montez-nous, nous par la main, alléluia. Hein? Et puis maintenant, quand on prend ton fils, ou ta fille, effectivement, qui a fait une erreur parce qu'un parent doit corriger quand même l'enfant. Quand elle fait, non, c'est d'agrandir cette église. Il n'y a que mes enfants qu'on voit. Tu as oublié que tu as dit que c'était aussi tes frères et tes sœurs. Le langage change. Il n'y a que les miens. Puis on rentre, en tout cas. Dimanche prochain, demain, je ne viendrai plus à l'église. Cette église-là, non. Il n'y a que les miens. Et puis qu'on répond, qu'on parle de ceci. Il n'y a que les miens qu'on regarde, que les miens qu'on a. Et pourtant, tu as dit que nous sommes frères et sœurs, qui c'est ça? Tenons-nous par la main, marchons jusqu'à son retour. Et puis tu ajoutes quoi? À nous. Je t'aime, je t'aime.
Dieu vous bénisse. Vous voyez ce qu'ils ont ressenti? Je t'aime mon Seigneur. Alors quand tu aimes Dieu, tu dois quand même avoir cette intelligence. Ça fait combien d'années nous disons toujours ici, l'enfant de mon frère, c'est mon enfant. Et toi aussi tu répètes, l'enfant de mon frère, c'est mon enfant. C'est qu'il est mieux que la main. Et quand on touche, on tient parce qu'ils n'ont pas bien agi. Oui, il fallait d'abord venir moi voir moi les parents. Alors donc moi je ne suis pas ses parents. C'est ça le problème. Les verbes sortent vite, mais à l'intérieur, on ne le croit pas. Et vous dites que nous allons dans l'enlèvement. Mais dans quel enlèvement? Dans quel ciel? Vous démontrez déjà qu'en tout cas, avec Dieu, je ne suis pas ami. Pourquoi? Pourquoi il s'est dit, parce qu'il a dit, mais vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Aimez-vous les uns. Vous me regardez, ce sont les Écritures. C'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas amis avec lui, parce que vous démontrez que ce que tu me demandes là, d'aimer l'autre, ça ne passe pas chez moi. Ce qui est à moi, ce qui est mien, c'est le mien. Je n'associe pas les miens avec les autres. J'ai des petits secrets, je n'associe pas avec les autres. Tu vois un frère, tu viens avec lui, mais il est un peu flou. Et on ne sait pas tellement très bien. Effectivement, tout ce qu'il fait, c'est flou. Mais c'est vrai quand même. Tout ce qu'il fait, toujours flou. Enfin bon, donc, retournons dans Colossiens au chapitre 2. Alors, nous lisions. Verset 8 nous dit, « Prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la nouvelle tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sous l'exilement du monde et non sur Christ. Car en lui, notre Seigneur, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Vous comprenez, non? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi pour vous? Car corporellement habite. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Pour vous, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oh. Je crois que c'est toujours un Colossien ici, non? C'est chapitre 1 et je crois que c'est les versets 15. Ah, Dieu est bon. Vraiment, vraiment, vraiment. Il est bon, frère, et nous ne l'apprécions pas à sa juste valeur. Moi, je ne voudrais pas être de ceux-là. Qui n'arrivent pas à pouvoir vraiment apprécier Dieu. Je ne peux pas me contenter de moi-même, de me dire que moi, je suis... Non, jamais. Celui qui me crée des problèmes dans ma vie, dans ma marche, c'est moi. Est-ce que vous le croyez que celui qui vous crée des problèmes, c'est vous-même? Parce que vous aimez tant être apprécié. Le moins tellement qu'on puisse parler de lui, qu'on puisse l'élever, qu'on puisse le glorifier, qu'on puisse ça. Mais vous cherchez la place de Dieu. C'est Dieu qui doit être glorifié. Dieu qui doit être élevé. Dieu qui doit être apprécié. Mais c'est la vérité. Moi, non. Parce que d'abord, je me poserai la question. Pourquoi j'aimerais qu'on puisse me glorifier? Pour quelle raison? Qu'est-ce que moi j'aurais fait? Posez-vous quand même la question. Je suis bon avec tout le monde, mais mon frère et ma soeur, cette bonté-là ne vient pas de toi. Réfléchissons un tout petit peu. Pour que nous puissions comprendre. C'est pour ça que, bon, nous continuons d'abord. Regardez très bien ici, il dit, donc, Colossiens chapitre 1, verset 15, il nous dit. Aïe, 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 aïe. D'abord, nous lisons quand même verset 12. Colossiens 1, verset 12, il dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a quoi?
délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc il nous a déjà délivrés. Est-ce que vous suivez, mon frère et ma soeur? Ça veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, si déjà tu sais où tu te trouves, parce que la Bible nous dit que le juste vivra toujours par la vue, par la foi. La foi dans l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes donc justifiés. Parce que nous avons cru en cela. Verset 14. En qui donc nous avons la rédemption, la rémission donc de nos péchés. Vous avez compris? Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui, donc en lui là, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, vous voyez, mon frère et ma soeur, nous continuons, puis il dit, voilà, qui sont sur la terre, qui sont sur la terre, c'est-à-dire le visible et les invisibles. Donc, il a créé. Hein. Les visibles et les invisibles. Vous comprenez bien? Les visibles et les invisibles. Donc, les invisibles aussi, Dieu les a créés. En lui, donc, il dit, dans les seductions, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, en fait. Alors, nous revenons ici dans Colossiens chapitre 2, nous retournons vite rapidement dans Éphésiens au chapitre 1. Regardez très bien ce que nous avons lu, que nous lisons encore ici. Éphésiens chapitre 1. Nous lisons à partir du verset. C'est quand même 16, oui, il dit cela, parce que l'autre partie, vous le savez, nous avons lu ça, en tout cas. Ah, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, vous vous souvenez, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ne méprisez pas cela, mon frère. À son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Vous entendez cela? Et à quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination. Mais alors, je vais dire, quel est le démon qui peut vous saisir et vous anéantir? Parce que c'est lui que vous dites être votre Dieu et votre Seigneur et votre Sauveur. Il est au-dessus de toute domination. Vous me suivez? Vous me suivez, frère? Il faut que vos lendemains soient vraiment différents. Arrêtez, frère, de donner la main à Satan. Nous continuons, non, pas d'abord. Et puis il dit ici, donc au-dessus de toute domination, il dit bien, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. C'est pour ça, quand j'étais là-bas au Mexique, je leur ai dit, devant tout le monde, c'est pour ça que c'est encore les dit, mais arrêtez de dire, le prophète a dit, frère Branham a dit, on n'en a pas besoin. Amen. Dites que le Seigneur a dit. Amen. Parce que le peuple de Dieu doit connaître les noms de celui qui les a appelés. On a trois des Branhamistes. Et ce sont aussi ceux qui nous combattent aujourd'hui, comme des pharisiens, comme des sadducéens. N'en faites pas des amis. Vous savez ce que Judas faisait? Il était avec le maître, effectivement, là. Il participait à tout. Mais dans lui,
Il allait voir le Sanhédrin, les pharisiens et les Sénéens pour dire, mais en tout cas, on collabore avec vous. Dites-moi ce que vous voulez, je peux vous le donner. Frère, vous pouvez vous y rendre compte. Donc ne collaborez pas avec des gens. Oui, monsieur. Vous ne direz pas que nous ne savions pas, nous ne savions pas. Non. Heureux donc. Psaume chapitre 1. Nous retournons dans Colossiens et dans Éphésiens. Remarquez Psaume chapitre 1. Et cela aussi. Voilà. Parce que nous le lisons avec vous. Psaume au chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de. Qui ne s'arrête pas sur la voie de. La voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de qui ça? Oui, oui, c'est l'écriture toujours que tu as cité. Regardez très bien. C'est spécifiquement bien clair. Ça, le Seigneur te l'a dit effectivement à son fils, à sa fille. Et toi, tu dois savoir. Parce qu'il ne faut pas non plus aller dire, oh, les frères ne veulent pas que nous puissions aller parler avec. Parce qu'il ne faut pas interpréter ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas non plus aller au-delà. Pour dire que je me fais tout à tout. S'il vous plaît. Quelqu'un, je vous l'ai dit ici, ce n'est pas moi qui dis, dans 1 Corinthiens, vous connaissez chapitre 16, verset 22, je pense à cela. Il dit, c'est lui qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit. Que Dieu te bénisse, mon frère. J'aime bien entendre cela. Qu'il soit. Donc, qu'il soit maudit. Si tu n'aimes pas notre Jésus de la Bible, tu es un homme maudit. Alors, qu'est-ce que moi je peux faire avec quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur? Même pas la soupe. Hein. C'est vrai. Tu n'aimes pas mon Jésus. On te l'a présenté. Tu ne l'aimes pas, tu le chasses. Et moi, si tu le chasses, je pars avec lui. Je ne veux pas dire, bon, on va prendre un café ensemble avec toi. Il n'y a pas de café. Parce que moi, où je suis, mon Jésus est là. Alors, tu le refuses. Ton café aussi, je n'en ai rien à faire. Oh, je vais t'offrir le Big Mac. Je n'ai pas besoin de Big Mac. Je te bénisse, mon précieux frère. Non. Tu le chasses, tu me chasses. Tu ne l'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Frère, c'est si clair. C'est aussi clair pour qu'on évite des fausses choses là-haut. L'amour de Dieu, l'amour est correctif, effectivement, c'est l'amour de la parole. C'est pas pour rien que nous avons écrit à des Corinthiens. Hein. Séparez-vous, pas associez-vous. Bon, nous retournons vite ici parce que je suis avec les temps. Et donc, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, que ça rentre, hein. Ça rentre là, hein. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de. Voilà! Toujours se moquer de la parole de Dieu. Toi, ne sois pas là-dedans. Et puis, mais qui lui trouve à son plaisir ou c'est. Alors, parole de Dieu, mon frère. Aimez la parole. Aimez la méditer, mon frère et ma soeur. Que ce soit votre compagnon tous les jours. Partout où vous passez, même dans les trams, laissez les photos romans. Que quand on te voit sur les téléphones portables, effectivement, que quand vous êtes là, on dit Alléluia, c'est Jésus qui lit dans sa Bible. Alléluia, c'est vrai, mon frère. Que la parole de Christ habite en vous, pas abondamment parmi vous, là, 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 là. Chaque jour, quand je suis amoureux de lui, je ne peux pas m'en passer de pouvoir quand même parler avec lui par l'écriture. Lire ce qu'il me dit. Là, il me parle combien il m'aime. Il me dit combien je dois prendre courage. Que même au travers de nos difficultés au travail, il va me soutenir. Et Dieu nous aide. Alors, il est. Écoutez, mais, et qui la médite jour et nuit. Donc, je ne lis pas ma Bible simplement un moment à la journée, mais quand aussi je veux me coucher. Vous savez, c'est un bon somnifère. Et quand vous lisez vraiment l'écriture bien, vous vous sentez en paix. Vous dormez vraiment bien. C'est comme ça que vous voyez que dans le sommeil, vous êtes fort. Amen. Amen. Amen.
Parce que vous avez médité. Mais si vous dormez avec les problèmes de ceci, voilà, il m'a fait, il m'a dit, vous allez voir comment dans le sommeil. Oui, oui. Vous allez voir comment les démons vont commencer à pouvoir. Mais c'est vrai, frère. Non, mais lui, là, il m'a fait vraiment. Demain, quand je vais me réveiller à la première heure, il va m'entendre. Mais regarde avec quoi tu vas dormir. La nuit même, mon cœur, mais. J'ai consacré ma télé devant ma face. C'est ça, l'écriture pour toi. Avant de dormir, mes genoux au service. J'ai dit, j'ai mis mes genoux. Et puis, c'est vrai, Seigneur, donne-moi une parole. Donne-moi un psaume. Je le lis et dis alléluia, que ton nom soit béni. Je dors avec la parole. C'est une arme de protection. Quand les sorciers viennent là dans la nuit, effectivement, ils regardent, ce n'est que la parole. Ils ne trouvent pas d'endroit, ils fouillent lui-même. Eh oui. Bien sûr, mon frère, ce ne sont pas des choses. On peut prendre la légère. Bon, nous retournons vite dans Colossiens. Chapitre 2 que nous lisions tout à l'heure, Colossiens, voilà. Et vraiment, nous allons terminer. Et puis bon, voilà, Colossiens chapitre 2. Regardez, nous allons prier aussi. Voilà. Colossiens chapitre 2, verset 18, verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc Satan ne peut rien faire. Si ce n'est que quand ton Dieu à toi, écoutez bien, quand ton Dieu à toi, ton Père à toi, lui donne la permission. Un fils de Dieu, un élu, il est entre les mains de Dieu. Personne ne peut le toucher. Regardez Satan quand il a posé, mais d'où viens-tu? Ne me promener sur la surface de la terre, il cherchait les gens à détruire. Oui. Et puis Dieu lui dit, mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Il avait remarqué. Il avait remarqué Job. Oui, bien sûr, il dit, mais il dit, n'est-ce pas parce que tu l'as béni? Ah, donc tu l'as remarqué. Quel sera. Mais il ne pouvait pas le toucher. Ah, non, 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 non. Il ne pouvait pas le toucher. Même pas lui faire comme ça. Ni ses biens, ni ses enfants. C'est vrai, mon frère. Alléluia. Un élu, Dieu le garde. Sois heureux d'être parmi ceux-là. Et si tu es un élu, tu vas aimer le Seigneur Jésus. De tout ton cœur, tout ton âme, tu l'élèveras, tu l'aimeras tout le temps, mon frère. La parole, tu l'aimeras encore davantage. Oui, monsieur. C'est ça, tu es élu pour témoigner de ça. Que Dieu a toujours raison. C'est pour ça que tu es élu. C'est la raison pour laquelle il va te manifester. C'est la raison pour laquelle la nature attend. Parce que toi, tu veux démontrer que Dieu a toujours raison. Dans les difficultés, il a toujours raison. Si je passe par la vallée, il a toujours raison. Donc la nature regarde, il dit, mais au moins, il y en a un. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre dit, mais j'estime que les souffrances étant présentes, accepte de porter l'opprobre, de souffrir pour Christ, mais pas de compromis. Parce que ce qui t'attend sera plus glorieux que tu ne peux même pas l'imaginer. Oui, c'est vrai. Il parle de la gloire à venir. C'est quelque chose qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Mon frère et ma soeur, la récompense que les véritables fils et filles de Dieu auront. Je vous l'ai dit l'autre fois ici, j'ai eu la grâce d'être transporté, moi ici, Dieu m'est témoin. C'est pour ça que quand je parle des choses de Dieu, ce ne sont pas des histoires. Je moi-même, votre frère, vécu cela, transporté dans les cieux. J'ai dit, la lumière que j'ai vue, ne fût-ce que le rayon qui perçait cette lumière-là, effectivement. Donc c'était d'une sainteté, d'une pureté, que tout ce qu'on a ici sur la terre, c'est impur. Ce sont des choses que, vous savez même, là, c'est tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et puis, on ne peut même pas l'imaginer, parce que c'est inimaginable. Quand nous regardons, nous perdons notre temps à nous battre pour des rideaux, pour des carrosseries,
pour les ferrailles, pour tout ce bazar, pour tout ceci, pour cela, parce que tout ça, ça ne sert à rien. Quand on a compris, on a goûté, alors on cherche à se revêtir, à revêtir ses domiciles célestes. Vous connaissez l'écriture, non? Nous gémissons parce que nous voulons revêtir. Ah, que le Seigneur vienne. Tel il est. Tel... Vous vous rendez compte, mon frère, nous serons semblables à lui. Nous serons, oui, nous serons transportés dans les cieux. C'est qu'aucun homme, c'est vrai. Donc, toutes ces choses de la terre ici resteront en fait. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un changement. Ce qui est mortel. Ah, que Jésus-Christ, mon Seigneur, nous aide. Vous savez pour quelle raison on parle qu'en un clin d'œil, nous serons tous changés. Parce que la Bible dit que nous ne mourrons pas tous. Mais une chose est certaine, ce que tous... Pardonnez-moi, je crois que ça fait un petit problème. Mon frère Gélor peut venir un tout petit peu. Attends, je vais d'abord aider. C'est bon? Oui, parce que ça faisait tout croche, croche, croche. Ce n'était pas bon pour vous. Mais là, c'est bon. Il dit, nous ne mourrons pas tous. C'est certain. Mais il dit, mais tous, et les morts, et ceux qui sont vivants, nous serons changés. Ah, ça, personne ne peut manquer. Maintenant, la question est celle-ci. Nous serons changés en quoi? Tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'ai dit, le Seigneur Jésus n'est pas intéressé par ton corps. Le corps est le tien. Tu veux l'exposer, qu'on voit ta poitrine, tout ce que tu veux, c'est à toi. Il n'est pas intéressé par ton corps. Sœur, vous m'entendez? Amen. Vous ne pouvez pas dire, oh moi, c'est les vôtres. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez le vendre, vous voulez faire tout ce que vous voulez, il est le vôtre. L'évangile ne s'adresse pas à votre corps. Les vôtres, vous en faites ce que vous voulez. Mais ils s'adressent au corps de Christ. C'est pour ça qu'on nous dit, nous avons tous été abreuvés par un seul esprit pour former un seul... Voilà, c'est ce corps-là. Donc il dit, toi, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Il ne faut pas te mettre comme une saucisse pour quand tu vois, tu marches comme ça, il dit non. Parce que ce corps-là n'est pas le tien. Dont je parle ici, c'est le mien. Sainteté à l'éternel. Que tu aies des saints qui sont comme ceci ou comme cela, c'est toujours le garder. Oui, monsieur. Oui, ça va vous embêter aujourd'hui, je crois. C'est vrai. Mais le corps de Christ, c'est sur ce corps-là que Dieu veille. Voilà pourquoi tous ceux qui font partie de ce corps, tu n'as même pas à les supplier pour dire, couvre-toi bien, coiffe-toi bien, mets-toi comme il faut. Parce que tout ce qu'on fait qui ressemble aux gens du monde, ça veut dire que tu n'es pas là-dedans. Tu peux tout faire, m'expliquer ce que tu veux. C'est ce qu'il regarde simplement. On dit... J'aime mon Seigneur Jésus. Il dit, mais on reconnaît l'arbre. Et puis on nous dit bien, chaque sémence produira selon. Donc, vous connaissez la sémence, non? La parole de Dieu est une sémence. Et quand tu es la sémence parole, tu produiras selon ce que la parole dit. Quand on dit, femme, soyez soumise, et ceci, mari, tout ce que la Bible dit, enfant, et ceci, et cela. Ou
obéissez à vos parents. Et ceci et cela. Mais c'est vrai en plus. Vous savez, j'ai dit, mais nous qui disons, nous aimons tant nos enfants, quand on parle de vos enfants, on a parlé aux miens. Si vous l'aimez tant, il faut le placer à un bon endroit. Voilà. C'est-à-dire, faites tout pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Amen. Si vous les aimez tant, vous mettrez à genoux avec eux. Amen. On doit chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est la meilleure des choses. Si tu es un fils de Dieu, c'est la meilleure chose. C'est là l'amour. Parlez avec au magasin, choisissez ce que vous voulez. Que vous habillez pour qu'on voit que moi j'ai de l'argent. Ça ne sert à rien. Dites-le dans l'écriture, choisissez. Voyez l'écriture. Entrons, mettons-nous à genoux. Que vous revêtez cette écriture-là. Ça, c'est l'amour. Je vous aime tellement, je veux que vous soyez quelque part. Je veux vous montrer l'endroit où vous devez être. Eh bien, c'est là en Christ. Comment il faut entrer, mon enfant? Mais tout noir, je ne sais pas le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le vrai amour. Pas lui acheter 400 voitures, 600 talons, 500 robes, qu'on peut changer à tout bout de champ pour qu'on voit comment il est. Non, ça, c'est pas l'amour. Il nous aide. C'est ça qu'on chante, l'amour de Dieu. T'es loin surpasse, c'est qu'on peut dire encore. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous attend. Merci. Vous pouvez comprendre que rien que par cet amour qu'il a pour toi, il est venu lui-même. Mais pour mourir pour toi. Afin de te placer dans les lieux de sécurité. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ce n'est pas l'amour charnel que nous avons. Tout en chacun de vous. Oui. Je termine. Colossiens chapitre 2. Le verset 11 maintenant, il nous dit. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Vous entendez bien? D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps, donc de la chair. Ça veut dire que tout ce qui est donc charnel. Vous comprenez cela? Donc le Seigneur, notre Dieu, la fille, mais c'est à toi de pouvoir. C'est pour ça que vous avez toujours remarqué que dans les Saintes Écritures, nous l'avons lu. Ô homme, frère, que ferons-nous? D'abord, répondez-vous. Je reconnais tout ça. Je reconnais ici, Seigneur, ce que je viens de voir, j'ai besoin de cela. C'est parce que je vais marcher en nouveauté de vie. Verset 12, il dit, ayant été ensevelu avec lui par le baptême, qui sait? Mais c'est toi. Nous l'avons entendu une fois, je crois. Quand tu es vivant, tu vis, les diables ont les droits. N'est-ce pas vrai? Mais quand tu es mort, c'est fini. Qu'est-ce qu'il va avoir gagné avec les morts? C'est plus rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu es mort, ces effets s'arrêtent. Maintenant, je vais vous poser la question. S'il vous plaît, écoutez-moi, je vous en prie. Maintenant, écoutez-moi. Le péché agit de quelle manière? Je réponds. Le péché agit parce que tu es là, si tu es vivant. Mais quand tu es mort, est-ce que le péché a encore la puissance sur toi? Le péché ne peut pas avoir la puissance, ni les pouvoirs, ni l'autorité sur toi lorsque tu es mort. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est pour ça qu'on te dit, ayant été asséveli avec lui par les baptêmes. Quand tu as dit, Seigneur, moi, je t'accepte que tu viennes dans ma vie. Je n'ai pas la force, mais je veux mourir avec toi dans les eaux du baptême. Je meurs.
Donc nous sommes donc identifiés à sa mort. Et maintenant, quand on te refait comme ça, et aussi à sa résurrection, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que vous me suivez bien? Donc le diable avait les pouvoirs sur toi pendant que toi tu vivais. Mais maintenant, quand tu es mort, que tu es ressuscité, mais qui est-ce qui vit en toi? Est-ce que le diable peut avoir les pouvoirs sur Christ? Maintenant, vous comprenez pourquoi la Bible insiste toujours sur le nom de Jésus le Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous aimez savoir qu'est-ce que vous avez en vous. Mais regardez très bien parce que et vous me permettrez quand même de pouvoir apprendre, pas beaucoup, un peu de temps pour vous. 1 Jean chapitre 4. Regardez bien. 1 Jean au chapitre 4, il nous dit ceci. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, c'est-à-dire que vous appartenez à Dieu. Et quand vous appartenez à Dieu, vous les avez vaincus, n'est-ce pas, hein? Vous les avez vaincus. Donc, c'est-à-dire que vous avez tout vaincu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est où c'est? Si celui qui est en moi est plus grand, est-ce que celui qui est dans le monde peut l'attaquer vraiment? Il ne peut même pas l'approcher. Monsieur, maintenant le problème c'est de savoir qui est donc en vous. Qu'avez-vous en vous? Je dis que je ne vais pas vous retenir longtemps. Alors je retourne dans Colossiens chapitre 2. Verset 12, il nous dit encore. Ayant été donc enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ça doit vous rappeler quelque chose, non? Est-ce que vous comprenez? Ça doit vous rappeler quelque chose. Je vous la rappelle. Elle est ici, cette chose-là que je dois vous rappelez, et qui est écrit ici. Voilà. Il nous dit ici, voilà. Le verset, c'est vrai, il nous dit, c'est cela, oui. Voilà. Le verset 8, il nous dit, donc c'est Romains chapitre 8, vous connaissez bien. Vous regardez toujours Colossiens, on va y retourner, hein, parce que je vais lire rapidement. Colossiens, on dit, regarde, il dit ça. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient donc plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient donc pas. Et si Christ est en vous, écoutez bien, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a suscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite donc en... Il faut qu'il soit quand même quelque part. L'écriture ici, donc la Bible, doit trouver sa place en nous. Elle est donc ici dans la Bible. Maintenant, elle doit se trouver à... Vous dites, mes frères, mais bien sûr que oui. Qu'est-ce que la parole nous dit? Au commencement était... La parole était avec eux. Ah, toutes choses ont été faites par elle. Et puis plus bas, verset 14, la parole a été faite. Voilà. Donc en toi aussi, ce qui est là doit rester ici. C'est pour ça qu'on avait lu longtemps déjà dans les Hébreux. Vous êtes la lettre écrite. Vous savez le nom? Et tout le monde peut lire, en fait. Les élus, toujours. Il a dit, dans le rouleau du livre, il est donc question de moi, donc il est écrit de moi. C'est pourquoi je suis venu au Dieu pour faire un. Mais toi aussi, toi aussi, mon frère, dans le rouleau du livre, il est aussi écrit. Bien sûr que oui. Bon, s'il est écrit de toi, il y a des choses que tu dois accomplir. Amen.
Ça veut dire que la lettre qui est là, il doit prendre vie là. Quand on te voit debout, on voit les saintes écritures. Ah oui, c'est pour ça qu'on nous a dit qu'effectivement, que tel il est, tel nous sommes appelés à être. Ah ben oui, c'est que ça. Et si ça est en nous, je veux m'arrêter, mes amis, vous allez rentrer. Si ça est en nous, frères, sœurs, jeunes filles, alors où seraient les désirs du monde? Parce que ça, tout ça, c'est Dieu. Sous la forme écrite. Mais c'est Dieu là maintenant, il a pris forme, il est là encore. Hein. Puis, sous forme de l'esprit là, il est venu maintenant pour habiter ici. Pour que ceci là soit en toi. C'est pour ça que je dis toujours, c'est parce que la Bible dit, mais quand ça est à toi, Christ est en toi, tu ne peux pas combattre l'écriture. Tu ne peux même pas copier le monde dans ton habillement, dans ta coiffure, dans tout ça. Tu ne peux pas. Coiffez-vous, parce que bon, les soeurs s'énervent toujours. Oh non, moi je n'ai rien à voir avec des problèmes des soeurs. Moi j'ai à voir avec l'église. Aujourd'hui, comprenez cela. Parce que vous allez voir des gens pour dire, ah, les pasteurs, et ceci, ce que vous croyez. Moi, je dis, moi, je n'ai rien à voir avec vous. J'ai à voir avec l'église. La parole concerne l'église. Vous, vous pouvez vous coiffer comme vous voulez. Mais si vous vous coiffez comme vous voulez, vous habillez comme vous voulez, ne touchez pas aux choses saintes. Parce que la colère de Dieu tombera quand même sur vous. Le feu de Dieu tombera quand même. Même si maintenant, vous nous voyez, ah, vous êtes là, j'ai fait plus tard. Vous allez payer votre arrogance, votre orgueil. Oui, bien sûr. Vous connaissez les psaumes 50? Je te regardais, je ne disais rien. Tu pensais que je t'ai ressemblé. Vous savez, non? Mais maintenant, je vais te reprendre. Il y a un temps, vous ne connaissez pas Dieu, frère. Vous ne le connaissez pas. Pensez que ça va toujours continuer. Vous jouez comme ça dans, là, chez vous à la maison, vous parlez, ça va passer. Non, il va fouetter. Vous allez le payer. Alors ne suivez pas tous ceux qui vous donnent des gars là, c'est Dieu, il ne va pas faire, c'est toujours bon, bon, bon. Je vous dis, c'était aussi un fait dévorant. Alors, si vous êtes de Dieu, la crainte de l'éternel et les commencements de là. La crainte de l'éternel, c'est aussi la haine du mal là. Ton frère est ton frère, ta soeur est ta soeur. Faites beaucoup de bien aux frères. Tu n'es pas bien entendu. Bon, on n'est pas obligé. Faites beaucoup de bien aux frères, faites beaucoup de bien aux soeurs. Toujours en Christ. La Bible nous dit, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent donc toujours de bon cœur, avec un cœur double. Ils furent donc baptisés. Alors quand il regardait celui qui était à côté de lui, il disait quoi? C'est pas un étranger maintenant, c'est mon frère. Ce que j'ai, c'est aussi pour moi. C'est aussi pour moi. Il n'y a pas beaucoup, ça veut dire que vous ne croyez pas ça. C'est pour ça que vous êtes resté tranquille. Ah, si je dis c'est pour mon frère, ce que je vais dire, je vais partager avec lui. C'est ça le problème. Mais je vais aussi vous annoncer que si vous ne partagez pas, vous êtes aussi maudit. Parce que ce que vous avez, eh bien, c'est une malédiction. Mais c'est vrai. C'est pas moi qui dis, la Bible dit, celui qui retient les blés sera maudit. Mais celui qui donne sera. Alors, de quel côté tu veux être? Vous voyez que le diable, il est un menteur. Ta bénédiction est lorsque tu donnes. Le maître te l'a dit, non? Il y a plus de joie à car pas toujours garder la réponse. Est-ce que vous comprenez? Ah bon, 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 je dis. Nous continuons ici. Il dit, verset 13, nous allons terminer, hein? Verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Vous donnez cela?
et par la circoncision de votre chair, il, vous y êtes ? Colossiens 2, 13. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, ma sœur, toutes les choses que tu as eu à pouvoir faire, Dieu t'a pardonné et t'a fait vraiment grâce. Est-ce que vous me suivez? Alors, que personne ne te juge pour ta vie passée. Oh, vous savez, ce frère, comment il était? Oui, il était. Vous savez, cette sœur, comment elle était? Elle était. Mais maintenant, ce n'est plus la même personne. Donc, c'est passé, passé. Mais c'est toi, tu es devenu une nouvelle création en Christ. Que le passé ne te suive pas. Parce que maintenant, en Christ, je dois marcher en nouveauté de vie. Amen. Cela veut dire que quand tu vis, tu viens déjà dans l'assemblée, tu vis comme un cochon, je ne sais pas moi, une trouille. Trouille, c'est la femelle du cochon. Et puis tu dis, oh, comme je ne suis pas pour ma vie. Ma vie est passée. Mais non, tu es en train de vivre la vie présente maintenant. Il ne faut pas confondre l'écriture, hein. Parce que si dans le présent, maintenant, tu vis comme un cochon ou une truie, mais il y a un problème. Hein? Ah ben oui, on doit te reprendre, on doit te dire effectivement, oh, moi, personne ne va me dire parce que moi, je suis dedans. Et puis, vous jugez trop les gens. Madame, mademoiselle, non, si on vit avec un frère ou une soeur qui vit comme un cochon ou une truie, en tout cas, on doit te reprendre. On te reprend avec amour, bien sûr. Je te montrais la voie juste parce que n'allez pas les prêter. Toi, tu es comme ça. Non, non, non. Vous devez d'abord prier pour savoir que cette personne-là ne voit pas tellement très bien. Mais c'est votre frère, c'est votre soeur. Il faut. Oh, vous savez, il y en a des soeurs qui disent, ah, je ne peux pas le dire parce que ses parents. Oh, tu connais les parents. En tout cas, j'ai dit, mais est-ce que ses parents sont avec nous à l'église? Oh, tu sais, c'est fréquent, on touche à ses enfants, vous voyez voir les frères ou la soeur. Il dit, quel est le frère? Il faut qu'il vienne, on va prier pour sa délivrance. Ah oui, un frère qui va te commencer à voir t'emporter contre toi, une soeur, parce que tu vas parler à sa fille ou à son fils. Non, frère, moi je vous demande, dites-lui lui. Parce que l'église n'est pas la place de son père ou sa mère, c'est la maison de Dieu. On reprend, c'est lui qui a un désordre. Les diacres sont là. Et vous avez la responsabilité aussi, mon frère. Il parle, oh, papa va me dire. Si papa dit, venez me le dire, je le mettrai ici devant tout le monde. J'ai dit, frère, alors ta place n'est pas ici. C'est sûr. Parce qu'ici, nous enseignons nos enfants que nous sommes un en Christ. Alors tu apportes la division. Alors si tu apportes la division, va chercher là où il y a la bonne division, là-bas. Mais pas chez nous. L'amour de Christ, ça inonde chacun de nous, effectivement, comme les élus de Dieu. Savoir comment parler à un frère, savoir comment parler à une sœur, c'est pour que les témoignages soient rendus. Ne vous associez pas, et surtout quand quelqu'un a eu à pouvoir faire un mauvais pas d'une certaine manière, n'allez pas dire à Jean Gabin, oh, tu as vu, il a fait. Non, toi, va voir la personne. Vous connaissez Matthieu? Non, il dit Matthieu 18. Matthieu, vous l'avez déjà lu. Bon, retournons encore un peu. Dans l'évangile, bon. J'ai dit que je voulais m'arrêter, mais ne m'en voulez pas trop. Ah oui, c'est ça le problème. Vous vous sentez bien? Moi aussi, je me sens aussi bien. Moi, je me sens bien aussi. Je remercie le Seigneur aujourd'hui pour la force qu'il nous donne, la grâce qu'il nous donne. Nous étions faibles, il nous a donné la force. Nous le remercions. Voilà. Et voilà. Matthieu 18,
Verset 15, il dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Vous avez entendu? Il n'a pas dit, si ton frère a péché, prends les WhatsApp, prends les SMS. Non, il n'a pas dit ça. Oh, tu sais. Non. Sans rien dire à personne. Tu te lèves, toi. Tu vas prendre ta soeur seule. Tu t'assieds avec même les bras autour. Mais oui. Tu dis, ma bien-aimée à moi, regarde l'amour que Dieu fait. Tu lui parles d'abord cet amour de Dieu qui t'unit avec lui. Lui montrant ce que tu ressens pour lui. Elle dit, mais là, j'ai vu quand tu as fait ça, moi j'étais vraiment, j'ai dit, ma soeur ne peut pas. Peut-être que tu ne connais pas, mais selon les Saintes Écritures, ça ne se fait pas ça. Alors, il faut que les choses soient corrigées. Et tout. Et puis la Bible, regarde comment la Bible te dit aussi. Il dit, mais si tu écoutes, tu auras gagné ton frère. Ah. Alors, ça nous ramène à Jacques. Regardez, comme l'écriture ici nous dit quelque part dans Jacques, hein, pour que nous comprenons aussi cela, absolument important, c'est que nous devons arriver à pouvoir vraiment faire les choses comme dire oui, oui, voilà. Si donc je pense que c'est cela. Alors que Dieu nous aide, nous allons trouver cela. Voilà, c'est dans Jacques au chapitre 5. Verset 19. Jacques 5, verset 19. Vous y êtes? Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, écoutez bien, et qu'un autre l'y ramène. Suivez, verset 20, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et lui-même couvrira une multitude de péchés. Donc ce que vous faites, ce n'est pas pour rien. Oui, savoir arriver à pouvoir agir parce que ton frère ou ta sœur est tombé dans les pieds de l'ennemi. Ne travaille pas avec les démons. Toi, combat Satan, combat les démons, et que dans ton âme, il y ait toujours l'amour de Dieu à l'endroit de celui-même-là qui a mal agi. Est-ce que vous suivez? Alors, il nous dit ici, si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Verset 16, Matthieu 18, 16. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends alors à ce moment-là avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de deux ou de trois témoins. On prend deux personnes après avoir parlé d'abord. Seul à seul avec la personne. Parce que si vous avez parlé ensemble avec la personne et que la chose est réglée, alors ça ne peut plus sortir. Pour aller encore appeler quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Donc entre toi et ton frère ou entre toi et ta soeur, tout est réglé. Tout était fini, personne de l'extérieur ne peut plus rien savoir. Même pas un frère, même pas le pasteur. Si c'est réglé entre vous, mais quand ce n'est pas réglé entre vous, alors à ce moment-là, tu dois maintenant... Est-ce que vous m'entendez bien? C'est la procédure juste, biblique et conforme aux Saintes Écritures. C'est la témoigne de l'amour que vous avez les uns pour les autres. D'abord, je vais voir mon frère.
grâce. Et si maintenant il ne t'écoute pas, alors tu as le droit maintenant de pouvoir t'adresser au pasteur. J'ai parlé avec les frères, je lui ai dit ça, j'ai trouvé qu'il est monté, il dit moi on ne peut pas me parler, moi on ne peut pas me répondre, moi on ne peut pas me reprocher. Alors je ne sais pas comment faire parce que, ou je parle à la sœur, il dit moi je suis déjà trop ancienne par rapport à toi, tu sais, je ne sais même plus lui porter. Alors je pense qu'il serait mieux quand même que tu aides mon frère, que tu aides donc ma sœur. Écoutez bien, il dit, afin que toute l'affaire serait sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Maintenant, verset 17, s'il refuse de les écouter, vous entendez bien? S'il refuse de les écouter, dis-les donc à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, si ce frère ou cette sœur auquel on a fait la remarque, que tu as d'abord commencé à faire la remarque pour ceci, et qu'on le suit encore, on fait encore la remarque. Et puis on demande, on lui dit effectivement aussi à tout le monde. Frère tel ou sœur tel, on lui a dit qu'il ne faut pas comme ceci, comme cela, mais il est toujours dans son arrogance, dans ceci et de cela. Alors, quand on dit qu'il soit considéré comme, la Bible le dit, non, comme un païen, un publicain, vous me suivez très bien, regardez-moi ici, c'est écrit, hein, qui sort comme un païen publicain, c'est-à-dire qu'il n'est pas un frère. Il n'est pas donc une sœur. Donc, l'attitude qu'on doit arriver à pouvoir voir, voyez-vous, frères et sœurs, comme je le disais, on a trop joué avec l'Église, les Écritures, les choses de Dieu, avec comme si des copinages ou des camaraderies. Il faut qu'on rende au Seigneur ce qu'il lui doit. Nous retournons dans Colossiens, puis nous allons terminer, puis nous prierons, puis nous rentrons effectivement avec nous là-bas, comme nous l'avons dit, ici dans Colossiens, chapitre 2, que nous avons lu, et puis voilà. Voilà. Il lui dit, si vous qui étiez mort par vos offenses et par l'inconscient de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et vous vous souvenez encore quand on parle des offenses, vous vous souvenez, non? C'est que le maître nous a toujours dit, quand toi tu pries, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Donc, toi tu vis toujours, vous connaissez le sac, non? Ne l'oubliez pas, ces sacs-là. Si tu as insulté, tu ouvres le sac. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le pardon, la grâce, la miséricorde. Alors ça te dit, Seigneur, je pardonne. Amen, amen. C'est avec ça que tu dois marcher. Amen. Pas avoir un autre sac. Il m'a fait. Oui, je l'ai fait aussi. Je vais... Non. Un seul sac. Quand tu ouvres le pardon comme les élus de Dieu. Et bien aimé. Et vous savez cela, non? Revêtez-vous d'entrailles, miséricorde. S'il y a quelque chose à se plaindre, pardonnez-vous. C'est ça. Chaque fois qu'un frère te fait quelque chose, tu ouvres le sac. Tu regardes. Et c'est tout. Ce qui m'a fait grâce aussi, moi. J'étais aussi comme cela. Je ne suis pas meilleur, mais il m'a fait grâce. Je pardonne à mon frère. Maintenant, je vois qu'il y a seulement que le diable qui est notre adversaire qui me pousse à ça, qui a poussé mon frère. Je dois lui montrer que nous avons un père. S'il m'a délivré, il va te délivrer aussi. Bon, nous continuons maintenant. Il dit, verset 14. Il dit, vous y êtes? Il l'a effacé. Donc, quand on dit effacé, c'est-à-dire que c'était écrit. Ah, Jésus-Christ, mon roi, il est bon, mon frère. C'est écrit que toi, certain, tu as fait ça, tout ça, tu l'as fait. Nous l'avons tous fait. Donc, c'était là, qui pendait comme ça, et que le diable avait le droit de pouvoir dire, il a fait, donc tu ne peux pas le faire ça pour lui. Il a fait. Et maintenant, le Seigneur nous dit, au début, il dit, lui, il l'a effacé. Donc,
effacer. Ça veut dire que le tableau est blanc. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, mon frère, aujourd'hui, il n'y a aucun démon qui peut fermer ce que Dieu t'a donné. Il n'y a aucune personne qui peut dire qu'effectivement tu ne réussiras jamais. Toi, tu dois réussir. Toi, tu dois avoir la vie. Le péché ne peut pas avoir le pouvoir sur toi parce que le Seigneur t'a déjà délivré. Cela, tu dois l'avoir et le croire, mon frère. Puisque le Seigneur l'a fait pour toi. Alors, quand nous allons sortir et nous allons prier, quand nous terminerons la réunion ici, je vais vous demander une chose. Ne partez pas tous chez vous rapidement à la maison. Nous avons une salle ici. Alors j'ai eu à cœur de vous acheter des pommes. Les sœurs ont fait ce qu'ils doivent faire, effectivement. J'ai demandé aussi à ceux qu'avant je termine la réunion, qu'on aille vous prendre même des ébanas, j'en sais rien, tout ce qu'il y a, pour que vous entriez là-bas. Que vous ayez communion les uns avec les autres. Serrez la main de votre frère. Parlez avec votre soeur. Ne partez pas chez vous, frère, sans avoir communion. Donc, comme je veux que vous puissiez le comprendre, n'allez pas avec toujours la même personne que vous allez tous les jours. Maintenant, changez. Allez vers des autres que tu n'as pas été souvent. Parle avec eux, mange avec eux les bananes et ceci et cela. Dis-lui comment tu l'aimes, combien tu veux le voir. Combien... Oui, mon frère, quand vous sortirez, ne passez pas. D'abord, je vais demander qu'on ferme les volets. Donc, mon frère Rosario, veille que les volets soient baissés. Tout le monde reste ici, il doit avoir la communion là-bas. Parler, aimer Dieu, parler de Dieu, manger ensemble, se serrant les uns les autres. Et puis après qu'ils se sont serrés, ils peuvent partir. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous sommes heureux d'être à toi. Nous voulons retrouver ce que toi tu nous as donné, Seigneur. La communion, l'amour parfait, bien-aimé, Père du sang, l'allégresse et la joie. Oh Dieu, que toute animosité soit ôtée, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que seulement le Saint-Esprit vienne nous aider encore, mon roi. Nous avons tout pleinement en toi, mon sauveur. Tu as fait et que tu fais des grandes choses aussi, mon sauveur. Aujourd'hui encore, nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions vraiment pour ton amour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que nous puissions mettre ta parole vraiment pratique, mon roi. Tu as dit qu'ils étaient assidus au temple. Ils parlaient de toi en commun, bien aimé Père Saint-Dieu. La communion fraternelle, bien aimé Père Saint-Dieu. Ils étaient toujours là, Père Saint-Dieu, avec cet amour, bien aimé Père Saint-Dieu. Redonne-nous cela, mon bien aimé Père Saint-Dieu. Aide mon frère, aide ma soeur, mon bien aimé Père Saint-Dieu. À ne plus donner la main à Satan, mon bien aimé Père Saint-Dieu. Mais à tendre la main à l'évangile, mon bien aimé Père Saint-Dieu. Que son cœur soit vraiment touché. Ramené aussi à toi, bien aimé Père Saint-Dieu. Et que ton amour environ dans la bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que nous sommes à toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Aide-nous, Père. Soutiens-nous, mon roi. Pardonne-nous encore, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous sommes à toi, bien-aimé Père, oh Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Parce que tu l'es, Seigneur. Nous te disons merci. Nous rendons gloire à ton Seigneur. Parce que tu vis, Seigneur. Nous vivons également aussi. Nous voulons vivre comme toi, tu nous demandes, Père Saint-Dieu. Nous voulons changer, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Notre façon de voir et de considérer les choses, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. À toi la gloire. Oui, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous nous réjouissons de ce que toi, tu as fait pour nous, Père Saint-Dieu. Et de ce que toi, tu continues de pouvoir faire, mon sauveur. Oui, Maître béni, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous te remercions, Seigneur. La victoire, tu nous l'as donnée, Père Saint-Dieu. Et la grâce, tu nous as aussi accordé, Père Saint-Dieu, nous a fait vraiment grâce pour toutes nos offenses. Aide-moi aussi à aimer mon frère, à apprécier mon frère, à apprécier ma soeur,
apprécier les enfants que tu nous as donnés, Père Saint-Dieu, à prier pour chacun d'eux, mon sauveur. Garde ton peuple, mon Seigneur, que ta victoire que tu as acquise à Golgotha a toujours les faits jusqu'aujourd'hui. Le sang que tu as versé, Père Saint-Dieu, ce sang précieux, mon roi, nous a vraiment libérés, Père Saint-Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie et t'exalte encore, mon sauveur. Merci pour tout. Merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Mon âme s'accroche à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Béni soit ton Seigneur. Garde ton peuple, mon roi. Béni sois-tu. Merci. Merci, Père. Merci. Aide-nous encore lorsque nous sortirons. Dégage cette atmosphère bénie, Père Saint-Dieu, d'être soutenu par toi et fortifié. Assiste ton peuple, mon roi. Je te demande cette grâce, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, merci. 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 Merci, mon Sauveur. Donne-nous, Père. Soutiens-nous, mon Sauveur. Merci. Merci, Sauveur. Oui, merci. Merci pour tout ce que tu es, Père Dieu. Oh, Jésus, mon roi. Oh, merci. Merci. Merci, mon roi. Béni soit ton Seigneur. C'est vrai, mon Sauveur. Merci. Merci, mon Sauveur. Gloire à toi. Pardonne-nous, Père. Je t'en supplie, mon Sauveur. Merci. Aide ma soeur. Tu vois son désir, mon Sauveur. Merci, Père. Tu le fais. Merci, mon Seigneur Jésus. Pardonne et soutiens et conduis-nous encore, mon Sauveur. C'est vrai. Nous avons besoin de toi et de pouvoir, Saint-Dieu, s'accrocher à toi encore aujourd'hui. Nous t'aimons, nous te remercions. Merci. Oh, tes bontés dans ma vie et ta grâce étonnante, et sois ma louange. Tu comptes dans notre effet. Merci. Te dire merci. Merci. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Sois ma louange. Le Dieu de l'impossible, sois-nous. Que pourrais-je t'offrir? Toi qui as fait tant de merveilles pour nous, pourrais-je t'offrir, ô mon Sauveur? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois. Sois mon Jésus, sois mon Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir?
Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur.